Salut à tous, c'est Chérika, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Spyro. Alors, on était arrivé, je crois, c'est l'avant-dernier monde, et on était arrivé au boss. Donc, bah franchement, vous êtes quand même pas mal à suivre cette aventure. Moi, ça me fait vraiment. Je prends un réel plaisir à te tourner. Attends, là, ils me mettent là? Ouais, je te dis, je prends un vrai plaisir à te faire ce genre de vidéo. Hein. Donc il faut que je retraverse tout pour aller de l'autre côté voir Fanfaron. Ouais d'accord, pourquoi pas. Alors là j'y comprends plus rien là. Est-ce que les champignons ils ont repoussé? Non. Donc on avait perdu pas mal de... Ah si, ils ont repoussé ces champignons. D'accord. On avait perdu pas mal de vie dans le dernier monde. Je sais pas si tu t'en souviens. En fait, à vouloir essayer de, bah, de prendre le dragon, d'aller sur la plateforme supérieure, bah du coup j'arrivais pas, j'ai pas su passer et à force de le refaire, bah je n'ai toujours pas su passer. Donc bah tu vois que je me suis quand même cassé la gueule plein de fois et j'ai perdu un maximum de vie. Are you ready? Let's go! Donc on se retrouve pour le dernier boss. Alors, le dernier boss, l'avant-dernier boss, pardon, c'est le quatrième monde, si je dis pas de conneries, c'est le truc des éleveurs ou des créateurs d'animaux, je sais plus. Enfin, je sais plus le nom, mais on est arrivé par là assez loin, et ça a été plutôt assez rapide. Donc si c'est comme le dernier boss, on a été plus rapide que prévu. Hein. Moi, c'est quoi ça? Ok, maintenant il jette des macaques. Ouais, pourquoi pas. Ah, il est bien chargé quand même ce niveau. Alors là, on peut pas grimper, enfin pas pour le moment. À mon avis, on va arriver d'en haut. On prend toujours les diamants, même si on en a pas besoin, même si ça sert à, bah, ça sert à rien. T'es pas obligé d'acheter des choses. Enfin ça, c'était dans les anciens jeux, tu vois. Tu récoltais des diamants, tu récoltais des choses, mais t'étais pas obligé de, bah, t'achetais rien. Donc du coup à la fin, voilà, tu vois, c'était juste récolter pour récolter. Voilà, on ramasse tout. Bon, il avait poussé le macaque, mais je sais pas où il est. Pas que je vais trop vite, ok. Donc pour le moment, il n'y a rien pour la libellule là. Enfin, si, hein, mais j'ai dû l'oublier. Quoi? Non, t'es sérieux? Oh, toi, je t'avais pas vu. On peut passer par là, on peut passer par là. Et de l'autre côté, il y a quoi? Bah, de l'autre côté, en fait, c'est l'endroit que je viens. Donc, voilà, hein, Chichi, commence pas à t'aventurer à te perdre. Mais ta LED a fait le plein pour t'affronter.
attaque les poteaux d'énergie pour le couper de sa source d'énergie. Oh putain, le boss. On va ramasser un petit peu tous les diamants. Je sais pas si je vais passer. Ah non, je pensais, tu vois, j'allais me manger une décharge dans la gueule, mais non, ça va. Alors là, c'est. Avec une clé celui-là. D'accord. Bon, on va repartir en arrière. Oh. C'est quoi le délire? Oh là. Non, c'est ça le boss? T'es sérieux? Non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah bah apparemment si. Putain, c'est déjà la fin quoi. Si tu veux, t'as déjà fini le jeu. J'ai eu plus de mal sur le boss 2 et le boss... non, pas le boss 3 parce que j'étais aussi super vite à le faire. Mais j'ai eu plus de mal à faire les premiers boss que ceux-là. J'ai dû louper des choses quand même. Attends, c'est pas ça le boss. T'es sérieux, c'est ça le boss? Bah bah apparemment c'est le boss hein. On a fini Y'a pas d'autres passages. On va aller faire le tour. Alors là nous on vient de là. Pourquoi il y a des portes là-haut? Il y a ça là-haut. On peut y accéder. On devrait pouvoir y accéder. Donc, allez. On va chercher comment. Bah c'est la fin de ce niveau.
Et manque, ouais, moi quand même plus de 100 diamants. C'est pas GG. Attends, je fais le tour quand même pour voir s'il y a pas un passage. Oh, voilà, toujours faire attention au passage, au petit passage. Passage qui sert strictement à rien. Voilà, il y avait celui-là. Celui-là, c'est de où je viens. D'accord. Non. Oh bah y a des diamants là. En même temps ils sont dans la touffe là. C'est comme les femmes, c'est quand tu commences à avoir de la touffe, ça devient plus terrible là. Bien aller là. En fait, j'y ai été, c'est là. Non, là, ça devient trop risqué. Allez, de toute façon, le niveau y est terminé. Je suis pas là pour faire le jeu à 100%, je suis juste là pour passer les niveaux. Donc là, tu m'as vu niquer le boss, c'était vraiment le plus simple encore. Je pensais que il allait avoir plus dur. Alors, on a terminé ce niveau-là. Donc là, il faut que je trouve le ballon. Et je pense que... Bah, il est là. Voilà, il fallait le dire. On a tous les dragons... Enfin, non, je crois qu'il nous en manque un seul. Donc, on va les faire ensemble. On va aller dans le monde des tisseurs de rêve, on va le faire ensemble parce que ce niveau a été vraiment assez court. Donc bah voilà, en fait c'est si t'as envie de te faire de petits niveaux tranquillou, t'as pas envie de te prendre la tête, etc. C'est un des jeux que je te recommande vraiment parce que bah voilà, ça passe assez vite. Après tu comptes en moyenne une de ouais, entre pour les niveaux les plus courts tu mets 5-10 minutes et pour les plus longs tu peux en mettre une demi-heure. Bah tu vas aller jusqu'à la fin hein. Si tu cherches vraiment tous les diamants et tout, ouais tu peux compter une bonne demi-heure. Là je regarde pas les astuces sur internet, je pourrais très bien le faire et, mais moi ça m'intéresse pas. Enfin pas sur ce jeu tu vois, j'ai pas envie de me casser la tête, le jeu il m'a pas coûté extrêmement cher et j'ai kiffé quand même. Donc là, t'as déjà... Oh là là, c'est des danses de Fortnite, ça. C'est quoi le délire? Non. Ah, il est stylé, le niveau. Attends, je vais pas m'aventurer trop. Donc là, c'est des champignons. Alors t'as un mélange de... T'as un mélange de Mario, t'as un mélange de Fortnite, hein, quand tu vois eux comment ils se mettent à danser là.
Alors, premier monde, ça sera Passage Obscur. Enfin, je pense qu'on fera ça dans... Non. Bon, j'ai perdu une vie. Oh putain, je crève bêtement. Alors, on va se le faire. Enfin, je me casse la tête, mais un simple saut, ça passait en fait. Ok, quand il y a un grand, tu peux pas l'avoir, et quand il y a un petit, tu peux l'avoir. D'accord. Bon, bah ça, c'est fait. Bah j'ai pas le choix. Oh putain. J'ai eu un petit trophée qui fait plaisir. Je pourrais pas les avoir. On va aller là-haut. Je vais te faire une petite double. Voilà, je fais vraiment le tour de l'herbe parce que bah c'est de pire. Voilà, les diamants se cachent de plus en plus. Hein. Salut Spyro, bon travail. Mon travail sera fini quand j'aurai grillé Gnastic Nork. Oh, on est pas loin de Gnastic Nork là, comme il dit là. C'est qui jette des sorts? Ah, c'est dans le château. Ah, Chichi se réveille. Alors là, t'as la tour hantée en monde. C'est quoi ça? Il fait délirer lui. Bon bah c'est juste un délire comme ça je crois. Ah ok, je viens de comprendre. Voilà. Voilà, Chichi comprend vite. Hein. Il met 2 heures à comprendre, mais il comprend vite. Les idiots de ce monde sont invincibles. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les attaquer. Ça me va. Il n'y a plus de champignons. Il n'y a plus de champignons hallucinogènes, non? Bah bah non, alors. Alors on a vu qu'il y avait deux mondes, la tour. Voilà. Là. Ça fait 2. Là, t'en as un troisième. Normalement, il est juste là. Alors là, c'est le ballon. Là.
Là, il y a le haut du château. Bienvenue chez les tisseurs de rêves. En affrontant les sbires de Gnasty dans ce monde, attends-toi à l'inattendu. Et prépare-toi pour ce qui n'est pas là. Ah, lui, il y a trois gardes et les tuches. Les profs. Il fait de la philosophie, lui. Ah, il est bien fait quand même ce niveau. Moi j'aime bien. J'aime bien, ça fait un petit côté enfantin. Enfin, t'as dû comprendre, moi j'ai pas l'intention de grandir non plus. Donc voilà, hein. Petit côté enfantin, un petit côté qui fait plaisir. Alors là, c'est le haut du château. Donc après, est-ce que certains niveaux te fait pas prendre. Te donne pas la possibilité de. Ils changeront pas quoi. Non, eux ils changent pas. Donc à mon avis, il faut que tu fasses un boss, un niveau, pardon, pour pouvoir avancer. Ah, il y a d'autres passages, je l'avais pas vu. Donc là, il y a Jack. Et là. Bien joué, Spyro. J'espère que tu sais ce qui t'attend encore. Le monde de Gnasty n'est pas l'endroit le plus sympathique qui soit. Tu es prêt à y aller? Non, je reste là, je viens d'arriver. Trop de balles, ouais. En fait, je sais pas. C'est qui lui? Eh, c'est le magicien. C'est le magicien des ténèbres. Allez, dépêche-toi. On va aller le voir. Mais normalement, ouais, on a tous les dragons. Il nous manque que des diamants. Ah, il y en a là-bas derrière, j'ai pas vu. Alors toi, ça va aller très vite. Et voilà. J'ai pas trop confiance mais on le tente. Oh si, c'est bon. Alors là normalement c'est le niveau du vol. Ouais. Vol de glace. Bah, je pense que ça sera le prochain niveau qu'on va aller faire directement. À chaque fois j'oublie qu'il faut que je suis il faut être le plus loin possible des feux d'artifice. Donc le prochain level c'est celui-là, on va faire le vol. Donc moi je te dis à bientôt pour la suite de cette aventure. C'était j'allais prendre un autre nom de youtubeur parce que je m'amuse à l'imiter des fois. Mais franchement c'est un putain de bon youtubeur et voilà. Bon, je vais juste dire que mon pseudo à moi, je vais pas commencer à piquer les siens, ça le fait pas, j'aime pas ça déjà. Donc c'est Chirika, je te dis à bientôt pour la suite de cette aventure, ça m'a fait extrêmement plaisir de te tourner cette vidéo. Allez, bye.
bye tout le monde.